Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir la notification des publications dans le futur. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Le secret qu'on va voir aujourd'hui, c'est un secret de Salat al-Fatih. Ce secret est principalement utilisé par ceux qui n'arrivent pas à retenir de l'argent. Ceux qui ont des sources de revenus, mais qui n'arrivent pas à retenir de l'argent, ils perdent de l'argent par des maladies, des accidents, des dépenses inutiles, ils n'arrivent pas à retenir de l'argent. Comment est-ce qu'ils se travaillent? Alors, avant de commencer la partie de la Salat al-Fatih qu'on va utiliser, c'est un secret principalement pour avoir de l'argent. Si vous devez prendre la valeur numérique de cette partie de cette salat, elle fait 2640. 2640 égale à 40 fois le nom Allah. Ou Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, fois 11. Cette partie de la salat fait également 48 fois le nom de Ya Mujibu, qui exauce les vœux. Cette recette est très utile et très importante pour réaliser, pour sauvegarder un avenir meilleur, pour avoir l'équilibre. Comment il se pratique sur vos écrans? Qu'est-ce que vous devez faire? La première des choses que vous avez sur vos écrans, c'est le carré. Ici, le carré, vous devez l'écrire une fois pour se laver avec. Une deuxième copie que vous allez garder sur vous. Alors, le milieu où j'ai écrit « vœux », vous devez mettre ce dont vous avez besoin. Si c'est des aides financières, si c'est les pertes que vous subissez et que vous voulez maintenir un équilibre pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, si c'est pour réaliser une carrière meilleure, vous écrivez tout ce que vous voulez. Le zikr sur vos écrans actuellement. Alors, vous devez commencer. Vous devez faire ce zikr tous les jours. Ça, c'est un zikr à faire tous les jours. Commençons par Astaghfirullah 165 fois. Ensuite, la partie dont je vous ai parlé, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi l'azim. 165 fois également. La ilaha illallah, 165 fois. Ensuite, le zikr de Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, 165 fois. Suivi du verset. Alors, vous allez voir ce verset dont on parle, c'est le verset de Surat At-Tur, ayah numéro 22. Alors la salat, elle fait 10 fois ce verset. Et qu'est-ce que dit ce verset? Avec ce verset, vous allez voir abondamment de fruits. Vous allez voir la réussite. Vous allez trouver la juste valeur de votre travail. Vous n'allez pas travailler pour rien du tout. Vous n'allez pas travailler et n'en bénéficiez rien. Par la grâce de Dieu, vous allez réussir sur tout aller et sur le retour avec cette recette. Pratiquez-la. Elle n'est pas du tout difficile. Très simple comme recette. Pratiquez-la tous les jours. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de gains avec. Inch'Allah, demain, vous me verrez encore avec une autre recette. N'oubliez pas de vous abonner sur les deux chaînes. Et aujourd'hui, j'ai déjà publié sur la nouvelle chaîne. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et prenez soin de vous. À demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.